Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Wrath of the Righteous, où on explorait la ville et m'a-t-on dit que c'est peut-être la voix mythique qui m'a donné des choses. Alors, compagnon... Alors, le compagnon animal du personnage bénéficie lui aussi des pouvoirs mythiques. Compagnon animal gagne bonus de force, de dextérité, de constitution. Plus 1, plus le moitié du garde mythique. Ses attaques ignorent les réductions de dégâts, hormis celles du type N. Sont comme de la propriété spectrale. Donc c'est pas la propriété adamantium. Donc c'est peut-être ça. J'ai des super pouvoirs. Compagnon draconique. Capacité à invoquer un mastodonte pendant une minute. Les créatures invoquées se manifestent à l'endroit choisi. D'accord. Le Daiva, ok. Ouais, qu'on invoquait des amadriades. Et après on m'a dit peut-être que alors il faudrait trouver. On m'a peut-être dit que c'est Big Drive qui m'a dit ça, qui m'a dit que apparemment les armes plus 4 seraient considérées comme de l'adamantium tout le temps. Mais alors où est-ce qu'on va trouver ça? C'est ça, après il faut aller le trouver quoi, dans toutes les règles. Règles de combat peut-être? Type d'action, non. Ouais. Et il n'y a pas de... Donc voilà, donc apparemment ce serait le loup. Mais je vois pas ce qui lui donne le fait qu'il aurait des attaques d'adamantium. Parce que bah il y a pas de raison. C'est pas de... J'ai pas une raison comme ça qui me vient en tête. Ah bah c'est ça. Voilà. Parce qu'il a pas d'arme plus 4. Parce que bah il a pas d'arme en vérité. Plus 21. Voilà, il a que plus 2 en altération. Donc c'est pas parce que c'est un plus 4. Les dégâts, est-ce qu'on peut... tranchant, perçant, contondant. Donc on voit pas de que c'est. De toute façon, on les voit ici. Hein. On voit pas que c'est de l'adamantium. Il y a rien qui dit que c'est de l'adamantium. Donc je ne sais pas. Peut pas vous dire, peut pas vous dire. Il y a forcément une raison. Mais la raison m'échappe complètement. Voilà, sachez-le. Sachez que la raison m'échappe. Oui, je me souviens plus de ce qu'on nous a dit pour le mot de passe. Alors attendez. Alors je sais qu'on avait un mot. Croissant. Périmètre non. Ah si, c'est ça. Alors,
j'oublie toujours, la séquence ne se termine pas par un cercle, mais par une base. Les symboles sont presque identiques. Le cycle est un cercle, donc la base est un cercle avec un point. Donc le dernier, c'est un point. Un cercle avec un point. Et je me souviens absolument plus de ce qu'on nous a dit. Hein. Et comme dans le journal, on n'a pas les entrées, je peux le noter à la main. Un peu dommage. On n'est pas un truc dans le jeu comme dans Baldur's Gate. Dans Baldur's Gate, vous pouvez le faire. Le 1. Toucher le panneau. Alors. Le cercle avec un point, c'est le dernier. Alors, il y a combien de... 1, 2, 3. Ok. Il y a 3... je sais plus. Il n'y avait pas le losange. Je ne sais plus. Attendez, je reviens. C'est bon. C'est bon, j'ai récupéré l'information en regardant l'autre épisode, donc c'est triangle, losange, voilà. Et c'est, on nous a dit pyramide, L, donc c'est losange, et le dernier cercle avec un point. Voilà. Ah 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 ! Je suis un génie. J'ai regardé l'épisode d'avant. Bon après sinon, ça c'est un peu chiant qu'on ait pas de système de notes en vérité. Ah. Notre ordinateur. Ah, ça ouvre les portes directement. Et ça, ça nous ramène ici. D'accord. Et ça, ça nous ramène à un endroit qu'on n'a pas encore visité, c'est ça? Oui. En avant. Ah, il y a du feu. C'est quoi? Ok. Alors. Ils ont une régénération. Ils ont aussi une régénération, sauf si on leur met de l'électricité. Ils sont que deux pour le moment. Okay. C'est le. Ok, il l'a mis à terre. Déjà, une bonne opération. Pas grand chose si je me déplace jusque lui pour le taper. Voilà, on lui a mis un peu d'électricité. Ah, il y a aussi des cubes optimisés. D'accord. Ok, là je vais revoir, c'est un peu chiant. Là je vais revoir, c'est toujours un peu chiant. Et les succubes, elles ont aussi la régène ? Ou pas ? Elles ont aussi la régène. Je vais jamais toucher les trois par contre. Et j'ai touché un truc. Et je sais pas quoi. Elles avaient de la régène, enfin de la résistance à la magie. Toi, tu vas aller là-bas. Ouais. Oh, il y en a un autre ici. Va le contrer. Voilà. Rapidité de groupe. Ok. Ouf. Vas-y. Essayer de les tuer. Ok, ça a touché quand même. Ah, les deux, elles ont loupé.
Ok. D'accord. Tape-le. Ok. Très intéressant de jamais toucher. Ok, ça vient. Aïe. Faudrait essayer de les abattre. Ok, il va falloir la soutenir. Touché, je crois. On voit très très mal. On voit très très mal les cercles pour le coup. On va voir qui on touche. Ok, ça vient taper ici. C'est solide. Hein. Mais attends, c'est des démons. Ah, ils ont résisté. Mais on a invoqué notre truc. Aïe. Eh, ça fait des attaques sournoises. D'accord. Ah, du 20 pour toucher, d'accord. Ça va être bien comme combat. On touche tout sur 20. Voilà, on ne peut faire que des 20 pour toucher. Ça va être génial. Encore une fois, un combat qu'on adore. Le jeu vidéo. Ouais, ils te touchent sur du 2+, hein, parce qu'ils font des sorts de contact. Toi, tu les touches sur du 20, ce qui est toujours très bien. La boule de neige, hein, c'est pas grave. Je vais te déplacer pour la balancer. Mais il faudrait quand même qu'on arrive à en tuer un là. Oh, vas-y! Mais on touche que sur du vin, quoi. Ça, c'est horrible. Ok. Fait des dégâts. Intéressant. Ah, mais il a de nouveau là, mais il a pris de l'électricité. Normalement, il a plus de régène. Je comprends pas comment ça. Normalement, quand tu subis les dégâts, tu peux plus régène. Il a pris des dégâts d'électricité. C'est de la triche encore. Ah bah oui, non mais forcément, je ne pourrai jamais gagner. Si le jeu vidéo triche un petit peu quand même. Désolé, moi j'ai fait les dégâts d'électricité, il n'a plus le droit de se régénérer. Eh ben non. Okay. Et comme on le touche sur du vin, ben on n'est pas là de le toucher, hein, Jackie. Je vise lui. Pourquoi c'était sur mon loup? 6 de dégâts, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On peut pas les toucher au corps à corps. Impossible. Touche tout sur du 20. On a une chance sur 20 de les toucher. C'est ça que ça veut dire. Donc ok. Mais ils ont des résistances à la magie aussi. J'ai essayé, mais. Ah, pas ricoché. Mais ça sert à rien que ça ricoche, il récupère de la vie. Ok, toi par contre tu vas faire ça. Ah.
Mais allez, faites. Impossible. 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 On peut rien faire. Dans un combat qu'on peut rien, où on peut rien faire, et tu comprends pas trop pourquoi. Et c'est quoi qui fait que je les touche sur du vin? Je les touchais pas sur du vin au premier. Première fois. Ils ont trop de résistance à la magie, quoi. Bah oui, bah je fais 3. Je fais 3 là. Il fallait, je les touche sur 50%. Évidemment, je fais 3. Évidemment, je fais 3. Et elle, tu les touches sur combien de pourcents, sérieusement? Un peu moins de 50%. C'est chiant! Regardez, les mecs ont 2 milliards de CA, quoi. C'est relou. Ok, là j'en ai. Donc là, elles ont plus de. Okay. Je suis immunisé à ces attaques. D'accord. Je sais pas pourquoi je suis immunisé à ces attaques, mais je suis immunisé à ces attaques. Et il prend des. Il a pris des dégâts électriques. Il peut pas normalement. Pas, il prend des dégâts électriques mais peut quand même se régénérer. Elle a touché à Inael et elle a des dégâts électriques là. J'ai mis une arme exprès pour faire des dégâts électriques, donc normalement je suis désolé quoi. Faut respecter les règles à un moment, monsieur le jeu vidéo là. Et elles en ont combien des sorts là, baiser du vampire? Si on fait jamais plus de. On utilise des D10 je crois. Pas des D20. Il y a certains persos qui utilisent des D10. Là il a pas récupéré de PV. Pourquoi il a pas récupéré de PV lui? Il a pas pris de dégâts électriques ni rien. Je comprends pas le truc. Lui prend des dégâts électriques, il peut se régénérer. Lui n'en prend pas, il se régénère. Je comprends pas. Fait des dégâts au moins. Là il se régénère pas. Oh, oui. Il achève évidemment. Un pouvoir qui était lancé, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ça ? 60 pieds, de le soumettre à lui. Ça fait quoi ? Ah, c'est pour ça qu'on les touche sur du 6. Sur du 20. C'est bien, mais on peut pas résister, donc enfin, j'ai de volonté, mais on les a tous loupés parce que même si on avait 100 de volonté, on n'y arriverait pas. Parce qu'apparemment, on joue avec des D10, non? J'aimerais bien, je sais pas moi, des trucs un peu moins chiants quand même comme combat. Ils réussissent tout leur jet, c'est fou! C'est fou! Ils réussissent tout. Je sais pas si c'est eux qui réussissent tout ou si c'est nous qui loupons tout. On va le refaire, parce que je ne peux pas réussir ce combat si tous mes jets sont de 1 ou 2. Hein. Je suis désolé. À un moment, moi, je veux bien faire ce que je peux, mais quand mon jet le plus haut, c'est 2 sur un combat, sur 6 attaques, je fais 2 au maximum. Voilà, c'est un peu abusé quand même. Hein. Je peux pas le gagner, ce fight. Et j'ai rien pour empêcher les dégâts mentaux.
Attendez, on a 18, 12, 18. Attendez, avec 18 de volonté, j'ai loupé le G. Avec 18 de volonté. Ok. Il est à combien le test? Non, parce que un test, à un moment, il faut que tu puisses le réussir. Hein. Bon, elle, elle a que 12, je veux bien. Elle, elle a 7, ok. Et ça le fait sur tout le monde. Hein. Tout le monde était atteint. Hein. Donc, moi, je veux bien qu'ils me disent qu'ils peuvent le faire qu'une seule fois, mais apparemment, c'est un peu plus qu'une seule fois. Hein. Parce que tout le monde était touché. Hein. Et ils ont réussi. Et ils réussissent, quand l'ordi réussit tous ces jets, c'est tellement frustrant. C'est pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas du tout ce que je leur ai demandé. J'aurais demandé de se mettre là, pourquoi ils vont là-bas au bout, ou à l'autre bout de l'univers. On ne sait pas. Tous réussi. Cavalcus, ça a réussi tous les deux. Ils sont toujours là. Pas des démons. Extérieur. Extérieur. Soumission de l'âme, allez, ou le rote. Je veux voir c'est combien le test pour qu'on voit si on a ne serait-ce qu'une chance d'y arriver. Avec un plus 18, je l'ai loupé. Je le vois même pas, soumission de l'âme. Soumission de l'âme. Attendez, avec un 18, je l'ai loupé. Avec un plus 18, j'ai loupé un truc à 18 de DD. On va dire que c'est pas abusé. On va dire que tout est normal. Tout est contrôlé. J'ai réentendu un truc que j'ai tué derrière. Très bien quand même qu'un jour il y ait des fights, qu'on soit pas obligé de les faire 25 fois pour que ça marche quoi. Ces fights sont chiants. Il y a des fights qui sont très très chiants dans le jeu. Ce genre de fight est horrible. Hein. Il a fait quoi? Ils sont des démons. DD 22. Est-ce qu'on a le même bug? Cette DD 18, j'ai réussi. Je suis désolé, j'ai réussi. Pourquoi ça passe à DD 22? Pourquoi ça passe à DD 22? Bien 18. Pourquoi 22? Pourquoi 22? Je suis désolé, il y a noté 18.
Mais pourquoi là il y a noté 22 et là il y a noté 18? Ça n'a pas de sens! Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les résultats sont pas... Il y a un... Attends, mais... Non, c'est ou 18 ou 22, ça peut pas être 18 et 22. Hein. Évidemment, c'est 22, parce que voilà, le jeu, mais... Non, je suis désolé. C'est 18. Moi, quand je lis le sort, il est noté 18 en jet de volonté. 22, c'est autre chose. Putain, ça m'énerve! M'énerve toute cette triche du jeu, quoi. Tout le temps en train de tricher. Il se cache même pas de tricher, c'est ça le pire, c'est qu'il se cache même pas de tricher. Ah, on va encore avoir le bug où ça va rien faire. Il se cache même pas de tricher, quoi. C'est désespérant. La degré de difficulté 18, ça sert à rien. Ils ont une résistance de combien, eux? Le seul truc que tu peux faire, c'est attaquer. Donc, est-ce que tes sorts servent à rien? Le jeu qui ne se cache même plus de tricher. Une fois de plus. Vas-y, t'as 50% de chance. Ah, y en a un qui a été touché. 50% de chance, y en a un. Ils sont impossibles à toucher. Même sans être sous le truc de l'âme, là, on les touche sur du 20. Impossible. Ah, c'est... Extérieur. Et c'est pas des extérieurs. Alors qu'il est noté extérieur. Nous comprenons tout à fait ce qui se passe dans le jeu. Pourquoi j'en ai qu'une? Ce qui se passe, donc je vais dire là le fight je le comprends pas parce que c'est noté 18 mais en fait c'est 22, dans la description c'est noté 18 mais en fait c'est 22, tu sais pas pourquoi, voilà quoi, enfin les mecs c'est des extérieurs mais c'est pas des extérieurs, un peu bizarre tout ça, hein. C'est un petit peu bizarre. Un peu d'électricité. Et mettre des mecs que tu touches que sur du vin, c'est un peu relou tout le temps. Je comprends pas le fight en fait. Le truc c'est que je comprends pas le combat. Donc en fait c'est relou de pas comprendre ce qui se passe, c'est vachement chiant. On s'est repoussé ça, non? On fait pas de dégâts, on leur fait pas de dégâts.
C'est relou, c'est très très relou. Hein. Je veux dire, j'attaque, mais ça sert à rien. C'est pas la première fois qu'on a des combats qui sont pas impossibles, mais qui sont relous. Juste parce que les mecs, ils ont 1 milliard de défense. Bon, voilà, vas-y. Toucher que sur du 20, ça m'énerve. Ça m'énerve, il doit y avoir un truc pour pouvoir faire ce fight. Parce qu'on est obligé d'y passer. Donc il y a un truc pour que ce fight soit plus simple. C'est obligatoire. Tu ne peux pas avoir ce genre de fight obligatoire qui ne peuvent pas être modifiés. Forcément, si c'est des extraplanaires qui ne peuvent pas être virés, l'optimisation empêcherait qu'ils soient virés ? Ça enlèverait leur effet extraplanaire ? Je vais voir ça, je veux en avoir le cœur net. Alors l'optimisation, elle fait quoi ? Mais un bonus de plus 4 à la C1, bonus de plus 4 au jet de sauvegarde contre les effets mentaux, la résistance au feu, au froid, l'acide et au son. Bah oui, bah, pourquoi pas ? La résistance à la magie de... Oui. La vulnérabilité à l'électricité, moi je veux bien, mais... Vu qu'ils ont 200 000 de résistance, ça ne marche pas. Esquive instinctive, donc on peut pas leur faire de dégâts. Esquive extraordinaire, bah oui. Donc faut pas chercher à faire des éclairs en fait. Ce qui est bien, c'est que tous les sorts qui peuvent te permettre d'enlever leur résistance, ils marchent pas. Il n'y a rien qui enlève le fait qu'ils soient extraplanaires. Hein. Non. Il n'y a rien qui l'enlève. Hein. Donc ce sont des extérieurs. Donc je peux les renvoyer. Or, là je ne peux pas. Et tu n'as pas d'explication, encore une fois. Je veux l'explication de pourquoi je ne peux pas les renvoyer. Je suis désolé. Ça renvoie les extérieurs. C'est dans le titre. C'est le titre du sort. Enfin. Oh, vas-y. Je l'ai dans Grimoire. Pourquoi je peux pas voir le... Ça m'énerve. Il est où? Bannissement, il va me dire ça fonctionne comme renvoi. Enfin, mon sort ici a été retiré. Envoie. Ce sort force une caractère extraplanaire ciblée à retourner dans son plan d'origine. Je veux dire. Voilà, il est obligé de retourner chez lui. Donc tu rentres chez ta mère. Et qu'on me dise pas que c'est parce qu'il est optimisé, on a regardé, optimisé, il n'est pas noté. Que ça l'enlève. Donc si ça l'enlève, le fait que ce soit un extraplanaire, c'est encore une information cachée. Et le jeu n'a pas le droit normalement de te cacher d'informations. C'est interdit. Moi je suis désolé. Normalement si je fais ça, ils repartent. Donc je vais le refaire. Ils doivent partir. Le sort sera lancé à mon tour. Je suis désolé. Au moment, le jeu, il doit être honnête. Il faut que le jeu il soit honnête. Et le problème, c'est que le jeu n'est pas honnête. Donc, c'est pas Aiview qui enlève... Alors... Vas-y. Il y avait ça d'activer. C'est qui ? Vas-y, tape-le au corps à corps pour voir.
Alors. Le bannissement ici, tu touches tout le monde. La Sam. Il a juste réussi son jet de volonté à 12. Pardon ? Enel, je peux la bannir ? Et le jeu il est en roue libre ! Et pourquoi on voit pas les tests ? Pourquoi il est... Combien ils ont de volonté et tout ? Ça on n'a pas le droit de le voir, ça c'est interdit. On va faire bannissement ! Bannissement ne sert à rien ! Parce qu'ils ont 18 de 15 de volonté, doivent faire 12. Donc ils échouent que sur un 1. Donc bah ça sert à rien. Je peux pas faire ce fight. Je vois pas comment le passer. Je vois absolument pas comment passer ce fight. Obligé de passer par là. Bon, on reviendra quand on sera plus fort. Hein. On peut pas le passer, ce fight. Donc, on ne peut pas. C'est impossible. Les sorts, ça marche pas. Ils ont une trop grande résistance à la magie. On l'a vu. Chaque fois que je fais un sort, ça esquive. Enfin, j'ai 5. Yuki, elle a 50% de chance de les toucher avec un sort. D'accord. Et après, ils ont esquive totale et esquive extraordinaire. Donc ils ont énormément de bonus pour esquiver. Or, tous les sorts qui leur enlèvent leur résistance sont des sorts à esquive. Je ne peux pas faire ce fight. C'est impossible. Ah. Ouvrir cette porte. Ah, on pouvait pas sortir. Allez, d'accord. Je ne peux pas faire ce fight. Il est impossible. Il est impossible. Je ne peux pas les taper. Je les touche que sur du 20. Donc j'ai une chance sur 20 de les toucher. Par attaque. En moyenne. Donc j'ai une chance sur 20. Les sorts, bah on a vu que ça marche une fois, même pas une fois sur deux. Enfin si, ça va toucher une fois sur deux. Alors, attendez. Je vais passer leur résistance une fois sur deux. Après, il faut faire le jet de si ça touche ou pas leur armure. Et après, il faut faire le jet d'esquive. Ça fait beaucoup de jets quand même pour espérer leur faire des dégâts. Je ne peux pas faire ce fight. Impossible. Je ne suis pas équipé pour, et donc il faut revenir plus tard. Et c'est aussi simple que ça. Donc on va aller explorer les alentours pour voir si on peut trouver des choses qui nous permettraient de faire ce fight. Ok. Bienvenue mon honorable sœur. Ok. Le sanctuaire de l'humble vérité vous attend. Entrez et apprenez. Qui êtes-vous ? Je suis le gardien de l'épreuve de l'humble vérité qui est cachée dans ce sanctuaire. Le servant d'Erastil qui, chaque année, laisse entrer les plus dignes comme vous. Je permets aux initiés d'entrer pour la voie de la sagesse et longue, mon honorable sœur. Passez l'épreuve, lisez la tablette sacrée. Et c'est quoi ? Le sanctuaire ferme une tablette d'Erastil. On peut y lire la vérité réservée aux initiés. La vérité est la récompense des juges. Des justes. La sagesse est la récompense. Vous semblez me prendre pour quelqu'un d'autre. Quelque chose ne va pas. Vous ne faites pas partie des initiés, n'est-ce pas? Ce funeste endroit. Il ne s'agit plus des terres bénies de Sarkaris. Mon esprit est embrumé. Quelque chose ne va pas.
mais vous devriez entrer, découvrir ce qui se passe dans le sanctuaire. Voyez si la tablette est intacte. Y a-t-il à l'intérieur ? Vous le saurez une fois rentré. Vous serez seul, sans compagnon, car la voie de la sagesse est solitaire. Ah. Vous êtes manifestement très malade, puis-je vous aider ? Malade ? Oui, la terre est malade, mes racines sont malades. Que m'arrive-t-il ? Il y a quelque chose dans les racines, là dans le sanctuaire, je souffre tant. Laissez-moi entrer. Êtes-vous prêt de souvenir que vous serez seul ? Une fois les portes refermées derrière vous, une fois les portes closes, vous ne pourrez plus qu'aller de l'avant. Ouais, vas-y. Alors entrez, que le vieux borgne vous vienne en aide. Allez jusqu'à l'hôtel, apprenez la vérité. Ok. Encore un truc où on est tout seul. Encore une fois, je ne joue pas un guerrier. Je ne contrôle rien. Je contrôle maintenant. Ouvrez. Porte. Ah. Ah non. Le coffre. Attends. Fermé. D'accord. Et là, je peux pas appuyer dessus. Mais il y avait le coffre. Moi, je savais pas. Moi je veux les... Ah, on peut aller chercher celui-là déjà. Ah. Le jeu en roue libre. C'est quand même assez cocasse qu'un jeu qui s'appelle Pathfinder ait un problème de pathfinding. Mais celui-là c'est déjà fait. Ah mais le deuxième coffre. Ok. Fermez ça. Faut que j'aille là. Hein. Et ouvrir, ça ouvre. Voilà. Là, je peux aller là. Ok. Il faudrait que je fasse un blanc. On voit pas les couleurs. On voit pas les couleurs. Là, je les vois. Au rouge. Où est-ce qu'il y a un blanc ? Ou celui-là. Et pourquoi il y en a que je peux appuyer plusieurs fois, il y en a que je peux pas appuyer plusieurs fois, je comprends pas. Je comprends pas trop le truc. Ça m'énerve déjà.
mais il y a un truc là-bas. Bah voilà. Ah déjà. Et ça, ça fait quoi? Ah. Et je peux pas rappeler ici. Bah oui. Évidemment, des fois tu peux pas, c'est un peu... Ça on s'en fout alors. Pourquoi cela je peux pas appuyer dessus? Celui-là c'est pour celui-là. Celui-là ça va être pour celui-là, c'est ça? Hein. Laisse-moi voir les couleurs. Oh, quand même relou ça. Hein. Ok. Et ce blanc là, où est-ce qu'on l'ouvre? J'ai pas d'interrupteur blanc. Là. Et là, il faut. Bizarre, il faut ça et ça, c'est un bleu, c'est le bleu qui est là je crois. J'aime pas ces trucs là, j'ai toujours l'impression d'être un gros débile. Ok. Celle-là s'ouvre lequel alors? Ouf, celui-là. Nous c'est celui-là qu'on veut. Mais je vois pas d'interrupteur blanc. Là, peut-être voir celui-là. Vas-y, arrête de bugger, je suis en train de réfléchir. Ok, celui-là c'est ouvert, celui-là. Ok. Ah. Quoi ça? Et laisse-moi voir les couleurs, bordel de conneries. Parce qu'en plus, il faut les allumer. Quoi? Un blanc et un vert. Le blanc on l'a là. Et le. Le vert comme ça. Ben, le vert comme ça il est allumé. Il est où? Je ne le vois pas. Il est là-bas. Ok, là est-ce que je peux aller là? Non. Peut-être avec celle-là. Oui, évidemment. Et ça. Ça, ça. Ah punaise, c'est pas du tout ça. Je comprends rien! J'ai mal à la tête!
Allez là. Et pourquoi il y en a tant de désactivés là? Ok, ça c'est bon, on a plus besoin d'y toucher à celui-là. Laisse-moi voir les symboles! C'est chiant! Ok. Ensuite, il faut quoi? Celle-là, il faut l'allumer. Et ça va refermer celui-là. Ça. Là maintenant on peut l'allumer et le 7, le truc qui ressemble à un 7, il est où? Je ne le vois pas là-bas. Ça c'est ça. Ensuite, c'est ça. J'en sais rien, moi. Arrête de me casser les noix. Laisse-moi voir les symboles, bordel de bite. C'est relou ce truc où ça reste activé là, le... Tu vois pas le symbole? Comment veux-tu avancer? Tu ne vois pas le symbole là. Ça m'énerve. On peut réinitialiser là? Il y a où le bouton pour tout réinitialiser? Je suis perdu dans mes trucs, je veux tout réinitialiser. Je ne peux pas. D'accord, donc maintenant une fois que t'es enfermé dans un truc, tu te démerdes. Ça c'est vachement bien. Ça c'est très sympa pour le joueur ça. Je peux aller jusque là. Un match c'est tellement simple pour lui. Ça me donne pas des ailes, ça. J'ai pas un truc qui me donnerait des ailes ou une TP ou... Un match, c'est tellement simple, hein. Tu prends téléportation, là, voilà, genre ça. Et c'est bon. Si je... Normalement, je peux pas l'utiliser. C'est bien de faire l'aller, mais il faut aussi pouvoir faire le retour. On est d'accord que là, je peux pas l'utiliser. Fais chier. Non, mais c'est pour ça, un mage, ce truc-là, tu lui mets porte dimensionnelle, il se TP partout, quoi. Rien à foutre. Rien à foutre de l'énigme. Celle-là, sauf... C'est quoi celui pour ouvrir là? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Peut-être celui-là. Oui. Une fois que celui-là il est ouvert, on n'a plus besoin de le toucher. Mais... Là ça donne quoi? Ça, c'est bon. Alors, lesquels il manque? Le F. Le F, c'est celui-là. Alors, il est là, je crois. Absolument pas. Le 7, on n'a plus besoin d'y toucher. Celui-là, on n'a pas besoin d'y toucher. Le R.
Le R, il y en a un là. Le F. Le F est allumé. C'est ça ? Ah si. Il me dit que c'est pas allumé. Bon là, je peux l'allumer là. Ça va faire tomber. Voilà. Le R, il est là. C'est bon. La petite bite. Elle est allumée. Bon bah des fois c'est allumé et ça me dit non. Je comprends pas. On va aller chercher celui-là alors. Ça. Ok. Pas très clair mais... C'est pas très clair très clair mais des soit. Donc ça là le R il est là. Je peux l'activer quand je veux parce que j'ai le pont ici qui est ouvert. Le vert. Je sais pas moi, est-ce qu'il y a un vert là? Fermer, ouvrir, mais fermer, ouvrir quelle couleur? C'est celui-là que je dois appuyer alors. Donc. Donc là c'est bon. C'est pas très clair très clair. C'est pas bon. Il me reste celle-là à faire. Ok. Voilà. C'est pas très clair très clair. Hein. En fait le truc que tu puisses pas réinitialiser et que les machins ils restent... Ouvrir, fermer, comme ça, et tu vois plus la couleur, c'est aussi un petit peu chiant. Faut bien le reconnaître. Ah, ils sont apparus. Lilitu. Une Lilitu. Ah bah non, mais... Ah, c'est une Lilitu, d'accord. Bouh ! Je vous ai fait peur, hein ? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous manger. Si c'était le cas, je vous aurais dévoré tout de suite. Comme ceux dont les os sont éparpillés un peu partout. Mais on n'aurait rien à gagner, ni vous ni moi. Alors, vous feriez bien d'écouter ma proposition. Edo. Je suis un parfait imbécile, voilà. Quand l'invasion a commencé, je me suis faufilé dans ce sanctuaire déguisé en druide, puis j'ai attendu mon heure. Tout s'est bien passé au début. Ces idiots sont venus se soumettre à une sorte d'épreuve, et ils ont fini dans mon estomac. Mais au bout d'un moment, les druides ont arrêté de venir. On réalisait que j'étais coincé ici. Le foutu harpe se contente de protéger l'entrée. Il maintient aussi un sortilège sur le labyrinthe. Pour empêcher ceux qui passent l'épreuve de tricher, je présume. Alors je suis coincé depuis des années, assise sur un tas d'os. Je me suis planté en beauté. Quel secret cache ce sanctuaire? Vous parlez de ça? Pour tout vous dire, je ne m'en souviens pas. Une banalité comme une âme, comme les aiment ces bonnets à cornes. Lavez-vous les mains avant de manger ou bien ne passez pas contre le vent, ne pissez pas contre le vent. Croyez-moi, vous n'aurez rien raté. Inutile de vous mettre en rogne. Négocie pas avec les démons. Il faudrait quelque chose à mettre sous la dent. Et parce qu'en fait, on n'est pas deux seulement. Aïe! Rentrer. Mais c'est complètement con ça, par contre. Alors la touche sur du 18. Merde. Alors. Dix-sept. À l'électricité.
Ah mais... faire ça. Déjà. J'aurais touché déjà, on a fait du dégât. Déjà pas si mal. Ok. Je sais que ça tape beaucoup. Voilà, mais nous aussi on tape beaucoup. Alors, et puis moi je peux soigner aussi. Mais avant, on va faire ça. Voilà. Quoi ça ? Proximité de brèche. Voilà. Moi aussi, je peux beaucoup taper, tu sais. Voilà. Vas-y. Et... alors ça, ça fait quoi? 4d6 PV plus 2d6 par grade mythique. Faut réussir à toucher quand même. Il y a du dégât quand même. Hein. Non mais à un moment il faut toucher. Forcément, si je touche jamais... ah mais Iview est mort. Il est mort mort. Ah, attends. Un jour je toucherai, hein. C'est promis. Aïe. Ah bah voilà, a touché. Aïe. Aïe. Vas-y, retouche là. Ah ah. On peut pas la looter. Allez. Voilà. Il y avait des sorts ici. Allez, fonctionner comme ça. En plus, je suis fatigué. Heureusement que le jeu me les a donnés, hein. Sinon... c'était le décès. Ok. On pouvait passer par derrière. D'accord. Vous avez détruit la vermine, le poison quitte mes racines. Je commence à me souvenir d'un âge de sang et de feu, d'un âge de colère et de désespoir. Sarkaris, mon beau, mon verdoyant Sarkaris. Tu n'es plus.
Je vois bien que la tablette que j'avais été censé garder est désormais brisée. Alors pourquoi suis-je encore ici? Pourquoi ai-je gardé ce sanctuaire souillé? Merci de votre aide, mon honorable sœur. Prenez ceci, vous n'avez reçu le savoir secret des Rastil, mais vous avez passé l'épreuve. Merci. Quel secret garder le sanctuaire? Je l'ignore, car je ne suis pas initié, mais seulement un gardien dont la mission était d'ouvrir la porte à ceux qui cherchaient l'initiation. Des mots sages étaient inscrits sur la tablette du sanctuaire. Des mots que le dieu sert réservés à ses fidèles serviteurs. À présent, la tablette est brisée, et tous ceux qui l'ont consultée sont morts depuis longtemps. Cependant, je sens que notre dieu ne nous a pas abandonnés. Que comptez-vous faire? Il est temps pour moi de dormir. Le repos me soignera. Adieu. D'accord. Okay. Bon, mis à part ce combat impossible, ça s'est bien passé. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.